every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always... Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai reçu ici... ça ressemble à la boîte du capteur de température et d'humidité. Mais ça, c'est le switch que j'ai commandé. En ce moment, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Tout ce qui est produit Xiaomi sont en super promo. Et en général, ils font des promos une fois tous les 6 mois et encore. Je pense que c'est une fois tous les ans. Sinon, en général, les switch sont à 6 euros. Là, je l'ai payé 3 euros. Le capteur de température, j'ai payé 5 euros. En général, on le trouve dans les 8 ou 10 euros, ça dépend où vous l'achetez. Mais allez sur mon blog, vous allez voir, il y a beaucoup de pas mal. Il y en a pas mal qui achètent, les codes promo sont valides pour un certain nombre, donc faites vite. Sinon, ben, si vous voulez commencer une installation domotique Xiaomi, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez avoir toute une installation vraiment pas chère. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur combien ça coûte chaque élément quand on l'achète en promo et comment on peut faire une installation complète de Xiaomi. Donc je voulais préciser, hier j'ai fait la vidéo sur le capteur de température, mais je ne vous ai pas montré exactement l'affichage parce que je n'ai pas vraiment regardé sur le coup parce que je devais aller travailler, donc je n'ai pas pris le temps. Donc je fais les vidéos en plus de mon travail bien sûr et je le fais par plaisir. Et les vidéos aujourd'hui... donc hier j'avais pas vraiment le temps, c'était pendant ma pause de midi et je l'ai fait en vitesse. Donc là je vais continuer un petit peu ici. Donc vous voyez, comparé aux autres capteurs Xiaomi, ici vous voyez avec le capteur Xiaomi Akara, on voit qu'ils affichent aussi en dessous 14 degrés 53%. Donc si je vais vous le montrer avec mon téléphone, vous allez voir la différence, qu'avec la tablette, on a plus d'affichage. Et sur un téléphone, l'affichage est plus restreint. Donc, voilà. Donc, si je vous montre avec le téléphone. Donc, vous voyez, là, je ne vois pas les températures. Mais avec le nouveau, avec la Cara, vous voyez, 14 degrés, 53%. Et 100 de il fait baromètre également, hein. Donc pour ceux qui l'ont pas vu hier, le capteur de température fait baromètre. Donc si je clique là, on voit qu'il est à 100 kPa, donc c'est la pression atmosphérique. Donc là c'est vrai que je me suis pas encore connecté avec. Je vais déposer ça. Voilà, donc il se connecte. Voilà, donc quand on voit l'affichage sur le Akara, donc vous avez trois différents, alors que sur l'autre, vous en avez que deux puisqu'il ne fait pas baromètre. Donc c'est l'avantage du capteur Akara, il fait également baromètre. Donc c'est la petite précision que je voulais rajouter. Donc maintenant, petit déballage du switch. Donc je vous le rappelle, en promo encore à 3 euros. Donc comme d'habitude, ici le manuel, tout en chinois. Voilà. L'intérieur, c'est comme le capteur de température, sauf qu'il n'y a pas d'autocollant supplémentaire. Ce qui est dedans, non, il n'y a pas d'autocollant supplémentaire. Donc si vous le collez, il reste accroché au mur. Mais le problème, quand on le colle, certains d'entre vous l'ont remarqué, mais le problème c'est que si on veut changer la pile, ben, on est obligé de décoller. Et quand on décolle, ben, il faut rajouter un nouveau autocollant et se débrouiller pour le recoller au mur. Donc si on veut le recoller. Donc le bouton switch. Donc je vais ramener l'autre, j'ai oublié de ramener l'autre, je vais aller le chercher. A tout de suite. Donc voilà, j'ai été ramener l'autre bouton switch, donc le rond. Vous voyez, donc comparé à l'ancien. Donc au niveau du rond, jamais changer les piles.
Donc là, j'ai appuyé dessus. Donc normalement, celui-là, il allume la radio de la salle de bain. Et donc au niveau de la pile, c'est une CR2032. Et ici, on a également une CR2032. Donc je ne sais vraiment pas. Il n'y a pas de poussière. Je sais vraiment pas comment on change la pile. Sûrement, on doit tourner. C'est un ce genre de clip qu'on tourne. Et ici, je ne sais pas si ça fait la même chose. Je pense pas. Donc ici, si on colle au mur, je pense qu'il suffit de tourner. Et on peut le décrocher au mur. Donc vous entendez hein, la tablette à chaque fois, elle sonne parce que j'ai appuyé dessus. Et ici, ouais, donc ça c'est le petit défaut. Donc on a un petit bouton pour le connecter. Ici, bah, il n'y a pas de bouton, mais il faut prendre une épingle ou autre et pour le connecter. Donc là, c'est bien, ils ont prévu le bouton. Ici. Donc je découvre comme vous, hein, c'est mon premier modèle ici au niveau de Xiaomi Akara, au niveau carré. Au niveau détail, ouais, c'est comme le capteur de température, hein, ça se tient. Ça se tient. J'ai encore appuyé, c'est sensible, le bouton est très sensible. Ici, c'est. Oui, donc. Oui, c'est un peu, c'est le même clic. C'est le même clic, sauf que là, c'est tout le bouton. Et là, on risque moins d'appuyer sans faire exprès. Parce qu'il faut bien appuyer au milieu. Parce que là, si je peux le tenir, alors là, si je le tiens, j'ai tendance à cliquer dessus en le tenant. Donc, ils ont chacun leur qualité, leur défaut. Donc, connectons-le maintenant. Donc là, je veux me connecter au gateway de ma centrale d'étage. Donc, si vous avez plusieurs gateways, ben, pour connecter à un gateway en particulier, vous cliquez sur le gateway que vous voulez et vous le rajoutez directement en device. Donc ici, vous voyez, tous les autres appareils sont connectés sur mon premier gateway et il n'a pas la radio, le premier gateway. En version, pour ceux qui connaissent les autres pour connecter à son PC, etc., les différents programmes, il vous faut le gateway V2. Donc la version 2. Donc device, on va ajouter un device. Donc le bouton, est-ce qu'on peut le voir ici? Ici, donc Akara Wireless Switch. On clique dessus. Donc j'entends ma centrale quand même qui fait quand même pas mal de bruit parce que j'ai mis le son à fond. Donc cliquez 3 secondes sur le bouton. On clique. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, ça s'est allumé. Voilà, ça s'est connecté. Donc elles sont très faciles à connecter, hein. Donc ce bouton switch là, je sais vraiment pas ce que je peux faire avec. J'en ai commandé d'autres et je sais que j'ai prévu, comme j'ai acheté les bandes OLED, donc les bandes LED, donc de Yeelight, je me suis dit que quand je vais les installer, je vais utiliser les switches où j'ai plusieurs lampes et je vais séparer les lampes. J'ai une lampe au garage, j'ai une lampe dans le couloir et j'ai rassemblé sur un seul switch pour la connexion. Donc comme ça, je pourrais séparer. Comme c'est à très bon prix, j'ai dit je vais en profiter. Donc j'espère que vous avez assez de lumière parce que c'est vrai qu'il fait très très sombre aujourd'hui avec le vent et même avec le spot ici, j'ai pas un bon éclairage. Donc on va faire suivant. Là on peut changer le nom. Donc je ne sais vraiment pas quel nom pour l'instant je vais mettre à les boutons. Hop, je changerai après. Donc il est rajouté. Donc on va le rajouter à l'écran d'accueil. Donc ici. Interrupteur radio. Bouton. Hop, voilà, on le rajoute à l'écran d'accueil. Et il se trouve ici. Donc là, il est mis dans directement, ils l'ont mis dans le salon. Donc voilà. Bon, créons une petite scène. Hop.
Donc, bouton switch, il est là. On va ajouter, donc je vais faire connecter donc ma lampe d'entrée. Hop, allumer, éteindre quand on appuie. OK. Donc là, on peut choisir la notification. Donc on active. On va supprimer ça, le chinois. OK. Voilà, donc la scène est activée. On va regarder si on peut faire autre chose, si on appuie là. Donc là, vous voyez, je vais rapprocher. Vous voyez, c'est en chinois. Donc le premier veut dire simple clic et le deuxième veut dire double clic. Donc contrairement à l'autre capteur, je vous montre. Donc excusez-moi pour l'éclairage. Donc celui-là, donc c'est le Akara. Et celui-là, attendez, celui-là, c'est le Xiaomi. Donc je vous le montre, voilà. Et contrairement, le rond ici, le Xiaomi original, on peut faire l'appui long. Donc si je vais dans le paramètre du switch. Donc je vais prendre ici, ici, ici. Véranda, défaut. Le switch, je l'ai mis où? Interrupteur lumière. Bon, on va prendre celui-là par exemple. Je vais aller là-dessus. Je vais cliquer là. Et là, vous voyez, là, on peut faire soit un single clic, donc un simple clic, un double clic ou un appui long. Donc le Akara, son petit défaut n'a pas le appui long. Donc voilà, c'est son petit défaut. Le Akara pour la température, il est mieux que celui de Xiaomi, mais le switch ici, il a juste pas l'appui long. Donc il faut le savoir. Donc j'ai fait le tour un peu du switch. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, visitez mon blog Bon Plan. Donc là, vous allez trouver tous les codes promo pour l'avoir à 3 euros, plus tous les objets connectés Xiaomi. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez trouver plein de bons plans. Donc c'était Dingo Dorwan, à la prochaine, abonnez-vous! Like the attention, girl, I know you, but you're everything I want in life. We're fighting danger.